Bonjour à tous, bienvenue, c'est Chris du blog SinoDroidTV.net. Alors, aujourd'hui, présentation d'une smartwatch, ça faisait longtemps, et puis je l'avais, et puis je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Mais je me suis dit, bah oui, ça vaut le coup, parce qu'elle fonctionne bien, elle est propre. Alors, c'est pas une montre sous Android, parce que je trouve vraiment les montres sous Android, j'en ai testé, j'ai pas fait de vidéo dessus, parce que je trouve ça d'une inutilité totale. C'est n'importe quoi. Moi personnellement, je trouve, tant que c'est pas de l'Android Wear, je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir de l'Android 5.1 sur une montre. Et obligatoirement, c'est une montre qui sera une montre téléphone avec la 3G. Donc ok, ils ont intégré tout ça dans une montre, mais qui fait une épaisseur pas possible. Bref, je ne suis pas fan, donc je n'ai pas fait de vidéo et j'ai gardé les montres dans un coin. Et bah voilà, et c'est des montres qui ne servent à rien. Donc voilà, bon, au moins celle-ci peut être utile parce qu'elle est légère, assez fine. Assez fine, bah, on va vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Je vous dirai après quelle est cette montre. Et l'épaisseur de cette montre, c'est 10,8. Donc ce qui est quand même moindre que les montres sous Android qui font quasiment 12-13 millimètres d'épaisseur, et là ça devient des gros morceaux au poignet, donc c'est pas très agréable. Et donc cette montre, c'est la numéro 1 ou la DT numéro 1 G5. Donc voici sa boîte. Alors elle est équipée du processeur MediaTek 2502, donc vous l'aurez compris, si elle n'est pas sous Android, elle est sous l'OS Nucleus, l'OS chinois. Un OS, bon, on va dire moyen, même s'il y a eu une amélioration avec les dernières smartwatches qui sont sorties équipées de cet OS. Alors, bien entendu, elle est équipée d'un écran entièrement rond, donc ce qui est plutôt positif. Elle a un lecteur de rythme cardiaque, elle est en Bluetooth 4.0. Un pédomètre, et oui, ça se dit, je le sais, je le répète, je le dis, pédomètre, ça se dit, voilà, c'est français. Bien sûr, elle mesure l'heure, enfin bon, bref, rien d'exceptionnel, hein, c'est une montre classique. Et le contenu de la boîte qui est assez difficile à ouvrir d'ailleurs. Une jolie mousse dans laquelle se trouvait la montre, et sous ceci se trouve un câble USB, micro USB, parce que cette montre se recharge via micro USB sans aimant, sans support dit propriétaire, mais juste via un, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il est très caoutchouté, donc très protégé a priori, voilà, donc c'est on ne peut plus clair, hein, micro USB pour la recharge de cette façon. Alors, on va allumer la montre et on va regarder ce qu'elle peut faire au cours de la journée pour vous rendre service. Alors, vous avez vu le démarrage, il est vraiment rapide. Alors, ce qui est original sur cette montre, ce sont les montres justement qui sont définies comme montre graphique, hein, voilà, c'est assez sympa. On se croirait quasiment sur des montres sport telles que celle-ci. On croirait presque une marque allemande, suisse, Tag quelque chose, vous voyez ce que je veux dire peut-être. Bref, voilà, donc on dirait presque une montre Tag quelque chose, parce que je ne vais pas le dire, sinon c'est la pub et puis j'ai pas le droit. Donc voilà, alors cette montre, elle est avec un cadre alu, voilà, elle est légère. Le dessous, vous avez ici le lecteur de rythme cardiaque. Elle est vissée ici aux quatre coins,
Donc, a priori, bien protégé. Vous avez trois boutons sur le côté droit. La recharge ici. Le bracelet, il est caoutchouc et c'est une montre vraiment orientée sport. Alors, je présente la G5 là maintenant, sachant qu'il y a la G6 qui est déjà en prévente. Alors, numéro 1, mais en fait, on n'arrive même pas à les suivre quelque part. C'est qu'ils vous sortent des smartwatches tous les 2 mois et celle-là, elle a à peine eu le temps de se vendre qu'ils vous vendent déjà la version supérieure, peut-être avec un look différent, mais a priori avec toujours la même partie logicielle. Vous avez la montre par défaut qui est celle qui est livrée par défaut et installée sur la montre. Il y en a d'autres, hein, je vous les montrerai. Donc, comme d'habitude, hein, vous vous déplacez, vous glissez le doigt. Alors, par contre, c'est un écran très réactif. Il est très agréable au tactile. Voilà. Vous avez l'indicateur de charge de la batterie intégré ici et vous avez la connexion Bluetooth qui est ici. J'ai, voilà, juste en haut. Donc, elle est connectée actuellement sur un téléphone. Alors, vous avez des thèmes. Alors les thèmes, ça reste toujours la même chose, hein. C'est soit des petits nuages, soit des choses ordinaires. Là, vous le voyez, il y a des petits nuages bleus sur le dessous. Ensuite, vous avez la possibilité de notification. Donc là, échec de synchro, on vérifiera ça après. Pour les mouvements, vous avez retourné la montre pour prendre les appels. Il est désactivé. Le réveil que vous rendez muet en basculant la montre. Alors, c'est toujours le même problème et ça existait déjà sur des montres précédentes. Les gestos des départs, je sais pas quoi. Bref, c'est en fait le fait de retourner la montre pour qu'elle. Voilà. Vous avez vu, elle était éteinte, elle s'allume parce que vous la retournez. Ok. On se déplace dans le menu. Donc, capture à distance pour les photos. Le mode Bluetooth, le mode APP qui vous permet de télécharger l'application à installer sur votre téléphone. Bien sûr, pas d'application propriétaire, c'est l'application Fundware, l'application que j'appelle à 2 centimes parce que je la trouve vraiment pas terrible, terrible. Au niveau des paramètres, l'horloge, type d'horloge. Vous avez celle-ci, après vous avez donc plus moderne, encore plus moderne qui ressemble étrangement à une marque bien connue qui fait aussi des smartwatches. Une autre montre type chronographe sport, une montre avec un ballon de football, pourquoi je ne sais pas. Et on revient sur la montre de chez Tag, machin, voilà. Et on va prendre celle-ci. On va revenir. Synchronisation du temps par rapport au téléphone activé. Le son. Type d'alerte, sonnerie seule, appel entrant, blablabla. Donc dès que vous recevez un appel sur votre téléphone, la montre va sonner aussi. Le volume général, multimédia, sonnerie, notification. Et le réglage Bluetooth activé, visibilité, on va mettre activé. Ouais, d'accord, donc là il est vraiment connecté. Ok, bon, on va rester connecté alors, on va pas l'embêter. Ensuite, vous avez la réception des SMS pour lire les SMS directement sur la montre, le journal d'appel, vos contacts et composer à distance le numéro de téléphone qui va être envoyé sur votre téléphone. Ensuite, vous avez bien entendu l'anti-perte classique. Langue, vous l'aurez compris, je l'ai déjà mis en français. L'économiseur de batterie, la vibration. Voilà, vous l'entendez. Je vois pas à quoi ça sert, mais à part vous masser le poignet, peut-être. Ensuite, le lecteur de rythme cardiaque, on va le faire tout de suite. Alors, j'ai mis, vous l'avez vu, c'est l'autre montre, donc le chronographe type, on va dire, allez, non, je vais pas dire la marque parce que là, on va taper dans le grand luxe. Donc, on risque de se faire taper sur les doigts. C'est pas la peine. Donc, on revient à notre menu. Lecture du rythme cardiaque, on y va. J'ai pris la petite boîte pour m'appuyer parce que sinon c'est dur de tenir le bras. Voilà, 83 BPM, normal, j'ai un peu le bras en l'air, je vous parle, je suis actif, donc c'est un peu logique. On revient au rappel, donc ensuite rappel sédentaire. Le rappel sédentaire, par exemple, toutes les 60 minutes.
toutes les 90 minutes, voilà, vous le réglez, vous revenez en arrière, le mode sommeil. Alors, je l'ai utilisé, j'ai essayé de dormir avec. Alors, il m'a dit, j'ai eu un sommeil profond pendant 10 heures. J'ai des doutes parce que connaissant mon sommeil, j'ai des sérieux doutes là-dessus. Et honnêtement, dormir avec ça, bon, elle est légère. C'est son point positif, c'est que cette smartwatch est légère. Donc, du coup, on l'oublie assez facilement malgré tout, même si, vu la forme, on s'accroche facilement sur des draps, sur des oreillers, ce genre de choses. Bref, c'est pas ça qu'on va mettre pour tester notre sommeil, c'est plutôt des bracelets intelligents et non pas des montres de ce type. Alors ensuite, vous avez donc le pédomètre avec le calcul, vous lancez, c'est à vous de lancer, hein, donc le début, vous allez marcher, il va compter le nombre de calories et le nombre de mètres parcourus. Et ça fonctionne plutôt pas mal, voilà. Ensuite, vous avez donc un chronomètre. Voilà, un chronomètre bon, efficace, hein. C'est un chronomètre. Bref, rien d'exceptionnel. Calculatrice. Une calculatrice, 5 x 9, a priori. Donc corrigé, 5 x 9, j'ai dit. Alors 59 x 2, on va dire. Voilà, égal. Il ne se trompe pas. Et le tactile est assez... C'est pour ça que je parlais du tactile au tout début. Parce que vraiment, le tactile est assez... agréable, même agréable sur cette montre, c'est que vous n'avez pas besoin, et justement c'est qu'on oublie un peu, des fois on appuie trop et du coup il prend pas par exemple l'application, donc ça sert à rien d'appuyer comme une brute dessus. Voilà, c'est assez sensible, c'est pas mal de ce côté là c'est qu'il y a eu un effort de fait sur le tactile sur cette montre. Et on est revenu au début, et pour revenir sur la montre, bah, vous vous redéplacez de manière verticale, et pour les applications c'est horizontal, voilà, et vertical pour la montre. Regardons maintenant la connexion avec le téléphone et l'application qui est associée avec, bien entendu, cette montre numéro 1 G5. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est un grand classique, l'application installée via le QR code, c'est Fundwear. Rien d'exceptionnel, malheureusement, rien de bien nouveau. L'application a été un petit peu changée, mais rien d'exceptionnel non plus. Alors, on va déjà vérifier la connexion avec la montre. La G5 est ici, elle est connectée, vous le voyez. Donc, on reprend notre application Fundwear. La home, alors, est-ce qu'on est connecté? Nous sommes le 25, c'est bien, donc par contre, effectivement, j'ai pas fait grand-chose. Santé, alors on va synchroniser les données maintenant. Enregistrer avec succès, on va regarder... Il s'est pas passé grand chose. Vous savez quoi, il était à zéro, donc je vais aller marcher un peu puisqu'il n'était pas en route, et puis ben, je vais revenir, et du coup l'application normalement devrait avoir des données. Vous l'avez vu sur la petite vidéo rapide de quelques secondes, 20 secondes, j'étais pas loin en fait du téléphone et il se mettait à jour tout seul pendant que je marchais autour du téléphone. Donc, voici les résultats qui vient de charger et d'uploader sur le téléphone par rapport à ma petite marche rapide qui m'a permis de vous montrer qu'effectivement, il m'était bien à jour. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est une lecture du rythme cardiaque. Et on va aller vérifier ce qui se passe sur le téléphone au niveau de l'application, en espérant qu'il récupère bien le rythme cardiaque associé. Et malheureusement, non. On va synchroniser. L'appareil intelligent n'est pas connecté. Tiens, tiens, c'est assez étonnant. Hop là. Pourtant, G5 est bien connecté. Ok,
Donc un petit dysfonctionnement de l'application, très certainement. C'est malheureusement dispositif intelligent pas connecté. Oui, il n'en veut pas. Donc, oui, on est connecté sur la montre, on est connecté sur le téléphone, et là, l'application dit « nous ne sommes pas connectés ». Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qui est un petit peu agaçant, finalement, en fait, avec ce Fundware app, c'est que généralement et globalement, ça arrive souvent que ils disent non, on va forcer la reconnexion. Voilà, déconnecter, on va reforcer la connexion s'il veut bien connecter. Donc là, il dit qu'on est bien connecté aussi. Donc a priori, là où j'ai noté aussi une amélioration sur la G5, c'est la gestion de la batterie qui tient un peu plus longtemps que d'habitude par rapport aux anciennes numéro 1, telles que la G3 à l'époque, qui se déchargeait très rapidement. Là, la G5 tient plutôt bien la charge, donc c'est plutôt positif. Alors, on relance l'application, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Chargement, ok. Santé, toujours rien, il n'a rien chargé. Synchronisation des données. Et le dispositif intelligent n'est toujours pas connecté. Bon, alors on est connecté de partout, sauf pour la synchronisation. C'est bien étonnant, mais ça fait partie des choses un peu compliquées avec cette application de chez Funyun. Funyun, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, à propos, hein, c'est la Shenzhen Funyun Technology. Bref, c'est un peu capricieux. On va tout couper. Voilà, là, il ne peut pas dire le contraire. On va guetter un peu ce qui se passe. La G5 est connectée et la G5, elle est là et elle dit aussi qu'elle est connectée. Alors, on va tout de même aller voir le Bluetooth ici. Apollo Light, déconnecté, non, ok, on est bien connecté, il y a tout qui va pour la montre et le téléphone. Alors, l'application va-t-elle bien vouloir ? Et non. Vous voyez, ça c'est vraiment typique de cette application, c'est que je la trouve vraiment capricieuse, elle va fonctionner, après elle va pas vouloir se reconnecter. Bref, j'en m'arrête là parce que sinon je vais craquer, parce que cette application fait craquer, clairement. Alors, voilà donc pour la montre revue complète et le test douteux de l'application. Mais en tout cas, la montre est plutôt belle, elle est légère, elle est jolie au poignet, le design des montres intégrées est plutôt sympa aussi, elle fonctionne bien, le compteur de pas fonctionne bien, le compteur de mètre et ainsi de suite, tout ce qui va avec au mode sport fonctionne bien. Bref, c'est plutôt positif de ce côté-là, malgré cette application Fundware qui, je le rappelle, est très très capricieuse. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à la montre ou ce que vous pensez des smartwatches en général. N'hésitez pas à partager. Et je le répète, surtout, faites bien attention, portez-vous bien. Et moi, je vous dis bien entendu, à la prochaine. Bye bye.